délégation ça qui gagne en tête li Isobel Coleman, administratrice en après USAID, rencontré la presse journée madian côté l'annonce yon aide additionnelle de 65.5 millions de dollars en réponse à crise humanitaire qui aggravé notamment ak épidémie choléra. Aujourd'hui, j'annonce que les États-Unis, par l'intermédiaire de l'USAID, font un don de 56,5 millions de dollars d'aide humanitaire au peuple haïtien. En réponse à cet ensemble complexe de crises humanitaires, qui inclut la dernière épidémie de choléra, qui a considérablement aggravé une situation déjà désastreuse. Nouveau financement ça pral aider partenaires dans le pays d'Haïti répondre à besoin humanitaire urgent de plus passer 868 000 moun. Ce nouveau financement de 56,5 millions de dollars qui vient d'être annoncé aujourd'hui aidera les partenaires à répondre aux besoins humanitaires urgents de plus de 868 000 personnes à travers Haïti en distribuant des fournitures médicales et des médicaments. Ceci inclut des équipements de protection individuelle pour les agents de santé et des antibiotiques, des lits, des solutions de réhydratation pour les patients atteints de choléra. Cette aide consiste également à améliorer l'accès à l'eau potable et à renforcer le fonctionnement des établissements de santé, y compris les centres de traitement du choléra, essentiels pour ralentir la propagation de cette maladie dangereuse. L'agence a qui tombé dans un moment côté 4,5 millions haïtiens a souffri grand goût pour être capable aider moun sa yo tout selon ambassadeur Coleman fait face à crise grand goût. Ce nouveau financement fournira également une aide humanitaire, une aide alimentaire urgente en espèces pour acheter des articles essentiels sur les marchés locaux à un moment où 4,7 millions de personnes sont confrontées à une crise alimentaire extrême. Enfin, directrice en après USAID fait connaître les États-Unis préoccupés en pile par rapport à la violence pays en connaît dernier temps ça et qui pas sans conséquence sur mesdames yo. Dans ça ça, il annoncé bourade l'agent agence américain pour permettre mesdames qui victimes violence sexuelle yo gain accès à soins santé. Ce nouveau financement garantira également un accès immédiat à des soins médicaux et psychosociaux adéquats et à d'autres services pour les survivants de violences sexuelles et de violences basées sur le genre. De tels soins sont essentiels pour prévenir d'autres dommages physiques et psychologiques. C'est dans l'ambassade américaine dans Port-au-Prince, conférence pour la presse a été déroulée en présence chargée d'affaires à I américain Eric William Strohmayer. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole.